Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette deuxième partie du JITER, l'info des vivants qui veulent le rester. Durant la première partie, on a eu le plaisir d'accueillir Cyril Dion et là, je suis avec plusieurs invités pour un débat autour du mouvement Gilets jaunes et du mouvement pour le climat. S'agit-il, oui ou non, du même combat ? Restez avec nous. Alors, ce débat, on va intervenir sur plusieurs parties. Pour la première partie, je vais demander à chacun des personnes qui sont présentes de présenter leurs revendications. Pendant la deuxième partie, on va faire le lien et les différences entre inégalité sociale et crise écologique. Pendant la troisième partie, on va bien sûr parler du référendum d'initiative citoyenne. Et pendant la quatrième partie, on va aborder la réponse du gouvernement face aux différents mouvements. Donc j'ai plusieurs personnes avec moi. J'ai Ludovic de Osons Causer, Elodie qui est militante Alternativa et ANV COP21, Priscilla Gilets Jaunes et Alexandre Salama, Gilets Jaunes également. Alors, pour commencer, je vais donc demander à chacun peut-être... toi, Priscilla, de présenter un petit peu le mouvement Gilets jaunes, les bases, quelles sont les revendications. Alors, au départ, c'est parti d'une dénonciation d'un argument que moi, je trouvais faussé au sujet de la taxe sur le carburant. Et donc, du coup, je ne trouvais pas normal qu'on
prétexte que l'augmentation du prix des taxes et du prix des carburants était due à un financement de la transition écologique. Donc voilà, je me suis posé un certain nombre de questions et j'ai posé ces questions à travers une pétition au mois de mai. Et voilà, ensuite, de fil en aiguille, nos actions se sont un petit peu joint courant octobre avec Éric Drouet qui avait prévu une action mais localisée à Paris au départ. Et on a appelé ensemble à se manifester le 17 pour pouvoir fédérer les gens autour de cette première étincelle qui aujourd'hui on sait a pris de l'ampleur parce que maintenant le mouvement englobe le pouvoir d'achat en général et la participation citoyenne à la vie politique. Très bien, parce qu'il y a beaucoup de médias qui cantonnent un petit peu le mouvement Gilets jaunes, ou ses revendications, en tout cas l'augmentation du pouvoir d'achat, mais il y a quand même beaucoup plus de choses qui ont été développées depuis le début du mouvement. Alors, je dirais que la majorité des revendications que j'entends tournent autour du pouvoir d'achat. Donc c'est vrai que le pouvoir d'achat, ça englobe beaucoup de choses, mais quand on parle des retraites, quand on parle des salaires, quand on parle des taxes, quand on parle de différentes choses qui touchent au portefeuille, pour moi c'est le pouvoir d'achat. Et ensuite, la participation citoyenne a été mise sur la table. C'est des sujets qui ont déjà été traités depuis un certain nombre d'années par plein d'experts dans le domaine. Mais simplement, ça a été en fait, souvent, lorsque moi je discute avec des personnes qui sont dans le mouvement, elles me disent souvent que ça a été un déclencheur que de remettre en question le système actuel. Voilà, que par un questionnement au départ localisé sur une taxe en particulier, sur tous les arguments autour qui sont faussés, ça a été un moyen de se dire, bon là, ça fait un certain nombre d'années qui nous pondent des mesures qui ne correspondent pas et qui favorisent certains et pas d'autres, notamment les grandes industries ou les lobbies, par exemple. Et aujourd'hui, il faut que ça cesse. Et c'est vrai que la participation citoyenne a été mise sur la table parce que c'est un moyen de pouvoir dire, voilà, nous, maintenant, on aimerait faire partie de la prise des décisions pour que les décisions soient mieux prises. Voilà. Très bien. Et donc, toi, Élodie, donc, tu es militante Alternativa et ANV COP21. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des revendications des mouvements écolos? Ouais, bah la principale revendication du mouvement climat, finalement, c'est de pouvoir continuer à vivre sur une terre vivable, puisqu'on sait que, notamment avec le rapport du GIEC qui est sorti en octobre, qu'il nous reste vraiment plus beaucoup de temps, même peut-être juste 2 ans, pour éviter le pire et éviter d'aller vraiment vers un monde à un réchauffement climatique à plus 4 ou plus 5 degrés. Les politiques actuelles nous mènent directement vers ce monde-là. Or, nos revendications, c'est plutôt justement comment on peut rester en dessous dans un monde en dessous d'un réchauffement à plus 1,5 degré. Et du coup, ce qu'on porte beaucoup, finalement, c'est cette transition écologique ou cette lutte contre le dérèglement climatique. Elle ne peut pas se faire sans justice sociale. Et c'est là où on a beaucoup utilisé ce slogan « fin du monde, fin du mois, même combat », etc. Je pense qu'on y reviendra pas mal. Mais en fait, on ne peut pas... et c'était un peu la cause de la colère vis-à-vis de cette taxe carbone et de l'injustice fiscale. C'est qu'on ne peut pas... On ne peut pas rendre coupables les plus précaires et même la majorité de la population des dérives d'une minorité, puisqu'on sait que c'est effectivement les plus riches, c'est des entreprises comme Total, c'est des banques comme la Société Générale qui nous mènent nous tous vers ce monde à un réchauffement climatique énorme. Et c'est aussi, et je pense qu'on y reviendra, l'inaction du gouvernement français dans cette lutte contre le dérèglement climatique. Merci. Et Alexandre, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur les revendications des Gilets jaunes? Alors, pardon. Moi, ce que j'aimerais, le point le plus important pour moi et celui qui doit vraiment être mis en avant, c'est le fait que la justice climatique demandée par... les écologistes et puis par la demande climatique, elle est complètement liée en fait à la justice sociale et fiscale. Mais en fait, le gouvernement et les médias en général tentent de, je pense, séparer ces luttes qui devraient nous réunir et qui en fait aujourd'hui nous divisent. Donc voilà, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler après. Oui, tout à fait. Alexandre, toi, tu as eu une posture un petit peu particulière parce que tu étais plutôt écolo, militant
avant le début du mouvement Gilets jaunes. Mmh. Et en fait, finalement, c'est au fur et à mesure, en observant ce mouvement, que tu t'y es intéressé et que tu l'as intégré. Voilà. Alors, moi, de base, j'ai une conscience écologique qui est assez forte. Et les sujets que je traite en général sont de l'ordre de l'anticapitalisme et donc d'une justice climatique, étant donné que c'est largement lié. Mais je pense, ouais, en fait, j'ai vu le mouvement des Gilets jaunes. J'ai vu ce qui se passe à la télé. Moi, j'avais besoin de voir ce qui se passe vraiment sur place, quoi. J'avais envie de me faire mon propre opinion. Et je me suis rendu compte, à force des revendications que j'ai pu relever en interviewant des manifestants, etc., qu'en fait, je pense que je dis souvent que les Gilets jaunes sont des écologistes qui ne le savent pas encore. Parce que ce qu'ils demandent est directement lié aux demandes qui sont faites au gouvernement par rapport aux revendications écologistes et puis aux objectifs qu'on doit atteindre. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant de mettre ces deux liens, ces deux choses qui sont complètement liées. Et c'est vrai que depuis que je suis monté à Paris, j'ai vécu des moments de solidarité, etc., que j'avais jusque-là jamais ressenti. Donc je suis tombé un peu accro. Et puis c'est vrai que c'est deux thématiques qui doivent absolument être liées. Et je pense que c'est la prise de conscience, qu'elle soit sociale ou écologique, va nous amener à des solutions concrètes. Merci. Est-ce que tu veux rebondir quand tu dis des écologistes qui s'ignorent ? Alors, moi, je ne dirais pas des écologistes qui s'ignorent, je dirais juste que puisqu'on sépare les sujets, on recentre le gouvernement sur le sujet principal du pouvoir d'achat, qui est lié à la santé, qui est lié à l'écologie. Et voilà, quand on dit on veut manger des meilleurs produits, que manger plus sainement, vivre dans un monde qui est moins pollué, on ne dit pas qu'on ne veut pas payer de taxes pour financer la transition, on dit juste qu'on veut pas que vous nous disiez que les taxes financent la transition quand elles ne les financent pas. Voilà, c'est surtout ça. Donc, en fait, on recentre les choses sur les incohérences soulevées par le gouvernement, enfin, les incohérences que nous, on soulève dans ce que le gouvernement propose, pour les recentrer sur ce sujet-là. Mais on est... Enfin, je dis « on », parce que moi, si j'ai démarré par ça, avec la taxe sur le carburant et puis les sujets de la transition écologique où je mettais des propositions... sur ce qui pourrait réellement servir la transition écologique au-delà des taxes. Et du coup, c'est vrai que je pense que c'était simplement un moyen de recentrer les choses pour que le gouvernement assume ses mesures soi-disant allant dans le sens de la transition écologique, sans pour autant dire on n'est pas pour vivre dans un meilleur environnement, on n'est pas pour moins manger sainement et tout ça. Mais je pense qu'on le sait, on a conscience de ça, on en a besoin, et je suis d'accord avec ça que c'est lié, mais c'est juste qu'à côté de ça, quand on lance des alertes sur certains sujets, ben, c'est important de rester sur la même ligne de conduite, parce que les personnes que ça dérange se servent de ce qu'il y a autour pour pouvoir estomper ce que nous, on essaie de dénoncer, on va dire. Donc voilà, mais effectivement, je suis d'accord avec le fait que tout est lié, c'est certain, ça. Moi, je veux rebondir sur ce que tu dis sur l'utilisation de la thune récoltée par la taxation écolo. Depuis, les gens sont allés rééplucher les Macron Leaks. Et il y a la preuve, on voit les conseillers de Macron, que l'air, des gens qui sont au plus haut niveau de l'État, qui sont tout proches de Macron, qui bidouillent à coup de email. Ah, tiens, comment on va faire pour équilibrer notre budget? Et il y a un gars qui dit... on va taxer ces couillons qui roulent en bagnole. De toute façon, ils sont obligés de rouler en bagnole. C'est comme la TVA, toute la taxe sur la consommation. Notre consommation, elle est captive. Quand tu prends ta bagnole, t'es captif de ta bagnole. C'est pas un goût. Tu fais pas ça pour rigoler. Tu vas faire ta vie. Tu vas amener tes gosses, aller au boulot. Et du coup, pour eux, ils ont découvert que si t'augmentais de quelques centimes, si t'alignais la taxation écologique du diesel sur celle de l'essence, tu pouvais récolter une manne financière pour équilibrer le budget de l'État. Et ces Macron-Leaks sont sortis. Maintenant, on le sait, c'est un fait. L'entourage de Macron n'a jamais pensé cette taxe comme une taxe écologique, il l'a pensé avec une visée budgétaire pour équilibrer son budget qui coupe des dépenses publiques et coupe la taxation des plus riches, mais ça, je pense qu'on y reviendra. Et donc, il s'est simplement servi de l'argument écolo. C'est ça que je dénonce. Ouais, il est en mode mec de planète great again, allez, on y va. C'est vrai que tout de suite, lorsqu'il y a eu cette pétition-là, on nous a tout de suite opposés. Alors que non, parce que si on continue à lire le contenu de la pétition, on voit bien qu'il y a des solutions qui sont proposées. Alors après, c'est des solutions qui sont... voilà, on peut en discuter, voilà, je ne détiens pas la solution, mais ça a été utilisé tout de suite pour dire ils sont anti-écolo, ils sont anti-ceci, alors que non, c'était pas ça. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, on sait que c'est pas ça, mais au début, c'était compliqué de se justifier sur ça. Ouais.
Et à l'inverse, il y a aussi cette accusation des milieux du mouvement climat d'être des écolos bobos, etc. Et en fait, on le sait maintenant que les principales victimes et les premiers touchés des dérèglements climatiques, c'est les plus précaires. C'est le cas des populations insulaires, c'est le cas même en France là cet été des agriculteurs qui sont quand même un secteur très précaire de la population française. Et on sait que ça va faire que d'empirer. On a vu aussi avec les inondations, avec toute la problématique des assurances. Voilà, ça ne peut pas être délié de cette question-là. Et au contraire, le mouvement climat a toujours essayé de porter un peu ses revendications sociales. On parle de justice climatique depuis des années, mais en fait, personne n'entend. Personne dans les médias, et évidemment au niveau du gouvernement, on n'entend pas cette revendication de justice climatique. Et je trouve que, justement, cette émergence de ce mouvement des Gilets jaunes, il a permis aussi, enfin, de pouvoir faire le lien dans l'opinion publique et au niveau des médias de cette imbrication et de cette nécessité de faire le lien entre urgence climatique et justice sociale. Moi, je voulais juste... Ouais. C'est Vincent qui nous appelle. Bonjour, je suis en direct de ma station spatiale internationale. Comment Bonjour. Allons-nous ? Tout le monde va très bien ici. Très bien. Alors, je précise pour nos auditeurs du JTR un peu partout sur les plateformes que je suis là pour lire et récupérer tous les commentaires et faire remonter des questions, essayer de synthétiser ce qui se joue sur la toile. Donc, n'hésitez pas à écrire, à prononcer vos points de vue, à chercher à faire avancer le débat et nous essaierons d'être à la hauteur de vos échanges et de les faire remonter dans notre débat. J'avais envie de rajouter une petite précision qui est que sur cet enjeu des inégalités sociales et de la crise écologique, on porte tous les deux cet enjeu-là. Et en l'occurrence, moi qui suis vidéaste activiste et qui défend ouvertement la désobéissance civile, je me suis fait un peu ringardiser par les Gilets jaunes, dis donc. C'est-à-dire que eux, ils s'organisent pas et ils vont occuper la centrale de la raffinerie de Fézin qui raffine le pétrole à côté de ma ville. Alors bon. Faudrait qu'on soit un petit peu à la hauteur de temps en temps. Voilà, c'est un point de vue. Je vous laisse, mais n'hésitez pas à poser vos commentaires. Merci. Donc, c'était Vincent en direct de sa cabine spéciale qui nous expliquait que finalement, les militants écolos s'étaient peut-être fait ringardiser par les Gilets jaunes qui avaient une puissance et une force d'action beaucoup plus directe et peut-être même efficace en termes de blocage sur certains points comme Amazon, par exemple. Ouais, mais ce qui est super intéressant aussi, c'est que dans certains endroits, enfin, par exemple, on parle d'Amazon, c'est très drôle puisque... On a justement lancé une action de désobéissance civile pour aller bloquer, pour aller protester et ont notamment déversé un certain nombre de mètres cubes de déchets électroniques devant un des dépôts d'Amazon en Ile-de-France. Et il se trouvait que les Gilets jaunes avaient fait une action de blocage la veille. Donc on s'est retrouvés aussi. Et au Pays Basque, il y a eu ce blocage d'une des usines Monsanto où Gilets jaunes et militants climat se sont retrouvés. Et du coup, on voit bien... la convergence entre les deux et la lutte contre ces intérêts économiques privés. Juste, quand même, faut pas oublier qu'au début, les deux mouvements se regardaient en chien de faïence, quand même. Au début, c'était c'est qui ces ploucs en bagnole. L'avis moyen du Parisien urbain, c'était quand même de dire je comprends pas ce que sont les revendications des Gilets jaunes, je comprends pas qui ils sont, je comprends pas ce qu'ils font, je comprends pas ce que c'est, pourquoi ils me saoulent. C'était mon cas. Ouais. Et du coup, il y a quand même eu une longue phase du mouvement qui, pour certains écolos, s'est prolongée à l'infini, où les deux mouvements se regardaient très loin. Par exemple, ça vaut ce que ça vaut, hein, puisque c'est des partis politiques de merde, mais tous les partis politiques à peu près contestataires ont reniflé qu'il se passait un truc et disaient « oui, on est à peu près d'accord avec », et ils trouvaient une formule pour pseudo-soutenir. Mais Europe Écologie Les Verts, walou. Jamais. Et encore aujourd'hui, ils sont tout à fait méfiants. Et du coup, je voulais juste dire, c'est pas pour rien qu'on pose la question. C'est que même si il y a des modes d'action qui se rencontrent, même si au bout d'un moment, ça a posé sur la table l'idée et le problème et le fait que les revendications écolo et les revendications de pouvoir d'achat étaient les mêmes, même si ça a contribué à tout ça, au début, ça a quand même montré la fracture entre ville et périphérie. Et les gens des centres-villes et des grands centres urbains.
je suis pas sûr qu'ils aient compris tout de suite qu'il y avait un vrai intérêt à pinailler pour quelques centimes de diesel, comme ils disaient. Du coup, c'est assez intéressant de voir comment ça a évolué les mentalités petit à petit. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à cette frontière entre les écologistes et les gilets jaunes. Mais moi, je me souviens que c'était, je sais plus quel acte c'était, je crois que c'était le 3 ou 4 ou 5, je sais plus exactement. Il y avait une marche pour le climat à Paris qui se déroulait en même temps que l'acte des gilets jaunes. Et je me suis dit, moi, de base, j'étais venu pour les gilets jaunes, du coup, je suis resté en tant que gilet jaune. Et je me suis dit, est-ce qu'on va se rencontrer ? Et ça n'a pas été le cas. La semaine dernière, je suis allé à Lyon pour l'acte 11 des Gilets jaunes et j'en ai profité pour discuter avec eux et pour comprendre et pour savoir qu'est-ce qui me répondait si je leur disais quels sont les liens entre l'écologie et vos revendications. Et ce qui est ressorti, c'est cette frontière dont tu parles, elle est réelle parce que les gens, en fait, ils ont une préoccupation. Aujourd'hui, ces Gilets jaunes, enfin ceux qui sont vraiment dans la précarité, ils sont presque dans la survie. Et quand tu survis, tu penses pas forcément à l'écologie. Moi, je dis souvent, et c'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, le combat écologiste, c'est un combat, c'est un luxe. Faut le dire, c'est un luxe. Tout le monde peut pas se poser la question de savoir s'il doit changer telle ou telle habitude. Et je pense que c'est ça qui est beaucoup mis en avant par, on va dire, les anticapitalistes très forts de l'extrême gauche, peut-être même, qui diraient que la médiatisation des revendications écologiques, elle fait culpabiliser le consommateur. On parle de culpabilisation individuelle. Et c'est pas totalement faux, parce que c'est vrai que ces personnes qui aimeraient changer, mais qui voient toutes les possibilités, mais qui ne sont pas forcément à leur portée de main, ça peut décourager et puis amener à des situations où ils se sentent complètement déconnectés de ces enjeux écologiques. Ça nous fera une super introduction pour cette deuxième partie. Mais avant ça, on va regarder justement une vidéo qu'Alexandre a réalisée pendant les différents actes des Gilets jaunes auxquels tu as participé. Et c'est donc la régie qui va nous l'envoyer en direct. Yo, moi c'est Salama, ça fait maintenant 2 mois que je monte quasiment tous les week-ends à Paris pour supporter, filmer et réaliser des reportages des manifestations des Gilets jaunes sur ma chaîne YouTube. Au tout début du mouvement, à la fin novembre donc, je me suis dit que la colère des automobilistes et autres solliciteurs de la route n'était pas légitime. J'avais bien compris qu'ils manifestaient contre la hausse du prix des carburants, mais moi un peu naïvement j'écoutais Macron qui disait que c'était pour financer la transition écologique. Et donc que c'était une bonne décision. Grossière erreur de ma part. Bon, depuis, le mouvement a beaucoup évolué et s'est complexifié, mais après avoir vu comme tout le monde ce qui se passait à la télé, j'avais besoin de voir ça de mes propres yeux. Pour me former ma propre opinion, je pouvais plus rester les bras croisés chez moi. Je suis donc monté à Paris quasiment tous les week-ends depuis Lausanne en Suisse, là où j'habite. Et depuis, j'ai participé en tout à 7 des actes, dont 6 sur Paris. Pendant ces actes, j'ai eu la chance de discuter et d'échanger avec des centaines de manifestants. J'ai alors vécu des moments de solidarité, d'espoir que je n'avais jusque-là jamais ressenti. Chez moi, ici en Suisse, le mouvement il est pas forcément vu d'un bon oeil, notamment à cause des médias traditionnels, qui je peux le dire n'honorent plus ou très peu leurs tâches professionnelles. J'avais donc besoin de ramener de vraies images au cœur même des manifestations pour montrer ce qui s'y passait vraiment, tant au niveau des revendications comme de la répression policière par exemple. Étant un fervent défenseur de l'écologie, j'ai toujours pensé que les revendications des gilets jaunes, de près ou de loin, étaient liées aux enjeux écologiques futurs. Même si on n'entend pas toujours parler de cette convergence de lutte, elle est au cœur même du débat puisque l'un n'ira pas sans l'autre. Yo, moi c'est Salama, ça fait maintenant... Donc de regarder une vidéo d'Alexandre qui a participé à 8 des actes des Gilets jaunes. On a aussi Ilias qui dessine en parallèle. Donc si vous voyez apparaître un dessin, c'est Ilias qui est en train de réagir en dessin sur toute la teneur du débat. Et on aura le résultat à la fin. C'est un membre du Biais Vert. Donc sur cette vidéo, Alexandre, est-ce que tu veux en parler ? Ou en tout cas dire ce qui t'a un peu marqué dans ce que t'as vu dans ces 8 actes. Alors moi je pense que ce qui m'a... j'aimerais bien parler de ce qui m'a marqué parce que c'est vrai que c'est des gros événements que j'avais jamais vécu. Moi je manifeste depuis seulement 6 mois et en plus en Suisse, donc vraiment l'envergure n'est pas la même. Mais ce qui m'a vraiment choqué c'est que c'est la répression policière, hein. C'est vraiment ça qui m'a choqué et qui m'a fait me poser beaucoup de questions sur notre démocratie, etc. Et c'est vrai que
tant que il y a pas des politiques publiques voilà. qui permettent d'installer des pistes cyclables, qui permettent d'avoir une alimentation bio, locale et beaucoup plus saine pour les enfants et tous les enfants, quelle que soit leur classe sociale, dans les cantines. Et tant que, on a parlé de certains acteurs, mais tant que ces acteurs continuent, ces acteurs privés, économiques continuent enfin leur politique en termes de climat et en termes de justice sociale, on sera bloqué. Voilà, donc c'est vraiment là et c'est ce que enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de porter aussi à Alternative à NV COP 21, c'est que faut arrêter cette culpabilisation, comme tu disais, des petits gestes et notamment des populations les plus précaires. Quand on n'a pas d'argent pour se chauffer, pour se passer de sa voiture parce qu'on doit faire beaucoup de kilomètres pour aller travailler, on peut pas demander à ces personnes de faire ces gestes. Enfin, c'est juste horrible. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire pression sur nos élus locaux ou les instances locales au niveau national pour faire en sorte qu'il y ait des vraies politiques publiques de transition écologique et sociale qui soient beaucoup plus pertinentes et qui permettent de lutter contre la précarité énergétique, etc. Oui, alors du coup, pour réagir un peu à tout, si j'ai bien tout suivi, je dirais que oui, effectivement, ces petits gestes dont on parle et qui sont aujourd'hui... on n'en est plus là aujourd'hui, je suis d'accord avec ça. Mais justement, tous ces petits gestes-là, ils auraient pu déjà être mis peut-être en application s'il y avait déjà des choses qui avaient été faites au niveau de l'éducation. Ça commence à la petite enfance, la prise des habitudes, ça commence très tôt. Quand on arrive à l'âge adulte et qu'on a déjà des mauvaises, entre guillemets, habitudes, forcément, c'est compliqué pour faire changer les habitudes des gens. Et moi, quand on me disait... on taxe davantage le carburant pour vous inciter à ne plus prendre vos véhicules, c'est pas comme ça qu'on procède. Il y a de la pédagogie avant, c'est pas comme ça qu'on fait, quoi. C'est pire, à la limite. Donc, pour moi, c'est pas une solution. Et du coup, je pense que ça se travaille déjà sur l'éducation. Bon, ça, c'est pour le très long terme. Parce que voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'accessibilité aux produits bio et au fait de pas forcément avoir le luxe, comme tu disais, de pouvoir se diriger vers des produits bio ou une consommation différente, effectivement, je trouve que c'est quand on est dans l'urgence, dans le besoin, c'est effectivement, on n'a pas forcément le temps de se consacrer à ce type de problématique. Mais effectivement, tout est lié et toutes les mesures prises pour aller dans le sens de la transition écologique pourraient aider à ce que nous-mêmes, on ait de meilleures consommations, qu'on ait les meilleurs comportements, etc. Et encore une fois, dans cette pétition-là, je proposais des choses qui avaient été proposées par des associations et ce sont des corps, enfin c'est pas des corps intermédiaires parce que les corps intermédiaires c'est censé être les citoyens, mais là en l'occurrence ce sont des associations, des ONG, des choses comme ça, qui ont des travaux qui ont été faits depuis longtemps, menés depuis longtemps par des gens qui sont dans le sujet depuis des années, mais on ne tient jamais compte de leur rapport, ce qui fait que nous aujourd'hui, même en tant que Gilets jaunes, on reçoit leur rapport pour porter avec eux leurs paroles, pour que le gouvernement puisse entendre qu'il y a effectivement urgence, mais que l'urgence c'est pas de taxer à tout va, c'est plutôt de mettre en place des mesures qui permettent d'arrêter le glyphosate, d'arrêter le chlordécone, arrêter tous ces pesticides à la con qui nous font tomber malades. Et du coup, entre autres, parce qu'il y a tellement de sujets, et c'est effectivement par ça, je suis d'accord, par les mesures mises en place qu'il faut agir pour que nous, on ait accès à ce niveau de vie, entre guillemets. Et s'ils ne veulent pas y arriver, ben, on peut se poser aujourd'hui la question, ça fait partie des questions qu'on se pose en tant que Gilets jaunes, je pense, de dire mais pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Ça profite à qui ? De ne pas nous donner accès à ce type de vie-là. Et puis, tu vois, là, nous, on parle des petits gestes et de ce que nous, on peut faire. Mais le climat, c'est ce qui détruit le climat et qui est le principal tic-tac qui va nous péter à la gueule. C'est les émissions de gaz à effet de serre. Et les grands postes d'émissions de gaz à effet de serre, ils sont pas dans le yaourt que tu manges ou tu manges pas. Hein. C'est d'abord la production d'électricité. 20% d'électricité en Europe, c'est du charbon. 38% en Allemagne. Et on nous demande de passer à l'électrique. 75% en Pologne. La preuve, c'est que quand il y avait les blocages en Allemagne de la mine de charbon, là, les mecs, ils viennent carrément rentabiliser leur bilan carbone de l'année en disant, voilà, moi, une journée passée à bloquer cette mine de charbon, et ben en fait, ça me rentabilise mon bilan carbone sur très longtemps. Et c'est la preuve qu'en fait, on est sur des proportions qui sont juste pas comparables, en fait. Ouais, du coup, tu peux pas tester, tu peux pas tester le charbon. Et on devrait que parler de ça. Et puis il y a aussi cette on devrait être 100%. Comment c'est possible qu'en Union européenne, on mette pas taquet de thunes pour faire de l'électricité décarbonée? Comment c'est possible que les plans que propose l'Union européenne, c'est de financer du gaz? Donc OK, c'est pas du charbon, c'est moins pire, c'est du gaz. Mais il y a moyen de faire mieux. Il y a le renouvelable, il y a le nucléaire, il y a plein de trucs qui font zéro gaz à effet de serre. Mais zéro, tu vois. Et du coup, au lieu de faire des solutions à zéro, on fait des solutions à un tout petit peu moins. Et ça, on n'en parle jamais. Quand tu vois Macron qui dit « Make the planet great again »,
Il n'y a rien qui est fait dans ce sens-là. Un mot sur le charbon. Après, il y a une vraie question quand même. Vu l'urgence, on a besoin de baisser notre consommation. Enfin, c'est une urgence. On peut, à ce stade-là, on ne peut pas se dire on doit passer tout au renouvelable ou on doit... enfin voilà, il y a vraiment cette nécessité. On dit qu'il faut laisser 80% des énergies fossiles dans le sol. Donc ça, c'est toute la partie charbon, pétrole, gaz de schiste, etc. Mais en fait, on ne s'en sortira pas avec des renouvelables vu la consommation qu'on a actuellement dans nos transports, dans nos moyens de chauffage, même notre modèle agroalimentaire est complètement bourré au pétrole. Donc on a besoin de revoir tout ça. Et il y a la question du changement de consommation qui doit toucher tout le monde. Mais par contre, c'est comment on accompagne les populations qui n'ont pas les possibilités de... tu parlais tout à l'heure des oppositions entre ville et périphérie, et ville et campagne. C'est clair que à Paris, peut-être qu'on a vu ce mouvement d'un œil différent, parce qu'en fait, on a des systèmes de transport qui fonctionnent, on a des pistes cyclables, on a un accès à une nourriture bio, enfin, il y a plein d'épiceries bio, etc., même si l'autonomie alimentaire de Paris, c'est quand même un vrai problème. Forcément, on peut pas, enfin, dans les campagnes, on n'a pas cette possibilité-là. On a de moins en moins de lignes de transport. Voilà, c'est ça. Et du coup, il faut à la fois développer ces alternatives-là et en même temps, il va falloir que tous collectivement, on revoie aussi le modèle de consommation. Et je pense que, moi j'ai l'impression que c'est pas une... parce qu'on parle beaucoup de la question du pouvoir d'achat au sein des Gilets jaunes, mais quel pouvoir d'achat ? Et j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus cette volonté de consommer à foison et qu'il y a aussi une prise de conscience qui touche tout le monde de ce qui se passe, enfin des dessous de notre consommation en général. Mais je pense que le facteur déclencheur de tout ça, de ce mouvement des Gilets jaunes, ça a été cette impression d'être, de faire partie de toujours faire partie de cette même frange de la population à qui on demande de faire des efforts, alors qu'ils ont déjà si peu. Enfin, je pense que la plupart des gens qui sont les Gilets jaunes ont des fins difficiles. C'est pour ça qu'on parlait beaucoup de fin de mois contre fin du monde. Et une Gilet jaune disait notamment qu'elle n'avait pas le temps de penser aux préoccupations écologiques, alors qu'elle-même, elle était dans la survie juste pour elle et pour sa famille, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que je parle de la responsabilité du gouvernement et des mesures. C'est-à-dire que c'est à eux aussi d'accompagner cette transition, même cette transition personnelle, parce qu'il y a la transition écologique par rapport à vraiment tout ce qui touche vraiment l'environnement et ce qui tourne autour, et puis la transition personnelle en tant qu'adulte qui souhaite être en meilleure santé, consommer mieux, avoir les moyens financiers de consommer mieux. Et en plus, on parlait de province Paris, mais en province, quand on côtoie les gens de province, ils ont une qualité de vie déjà meilleure au niveau de, je parle pas de financièrement, mais au niveau de leur environnement et des produits auxquels ils ont accès, ils sont déjà dans une optique de consommation qui est déjà plus saine que ce que nous on a en Ile-de-France ou à Paris. Donc à la limite, nous on devrait même peut-être prendre un peu plus exemple sur leur mode de consommation, mais effectivement il y a cette urgence là de pouvoir au moins mettre quelque chose sur la table. Et ensuite là, par exemple, on parlait de la première grosse revendication des Gilets jaunes qui était la baisse des taxes de première nécessité, et justement j'ai une Gilet jaune qui disait, et en plus pourquoi pas, si on réduit les taxes de première nécessité, faire un effort supplémentaire sur les produits bio et français. Moi, j'avais rajouté « et français ». Et effectivement, ça permettrait d'aller vers une consommation par du pouvoir d'achat récupéré, d'aller vers une meilleure consommation. Juste rebondir du tac au tac, « et français », c'est décisif. Parce que le premier poste d'émission de gaz à effet de serre en France, c'est invisible dans rien des rapports, c'est les émissions importées, c'est nos importations. Les importations, ce qu'on fait venir, ça a, comme ça a été fait avec du charbon chinois ou du charbon allemand, nos importations, c'est 40% de tout ce qu'émettent les Français. Et du coup, si on a un geste à faire pour le climat, vu que notre électricité, elle est déjà zéro carbone, si on a un geste à faire sur le climat, c'est de faire en sorte d'arrêter d'acheter des produits pourris venus surtout d'Allemagne et de Chine. Bonjour. Attendez, vas-y. Vincent qui nous appelle.
Oui, Vincent. Oui, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a une vraie curiosité, à la fois sur la page du JITER, sur la page Positiveur, celle de Professeur Feuillage. Des personnes qui se revendiquent d'identité écologique se demandent vraiment avec curiosité, est-ce que les membres de notre panel qui sont Gilets jaunes peuvent nous dire s'ils ressentent que les personnes qui protestent aujourd'hui à l'acte 11 ou 12 ont des revendications écologiques dans lesquelles eux pourraient peut-être se retrouver. Et il y a aussi une question importante qui est qu'on parle beaucoup de l'État et de la responsabilité de l'État. Et il y a une surprise de Charlie qui dit « Mais pourquoi est-ce que les Gilets jaunes et peut-être aussi les protecteurs de l'environnement n'ont jamais placé davantage le patronat devant ses responsabilités, davantage ceux qui aujourd'hui sont en position de tenir les ficelles du monde économique et du coup largement du monde politique ?» Voilà, je rends l'antenne. Très bien. Merci beaucoup pour ces questions de nos éditeurs qui sont effectivement très intéressantes. Donc, deux questions. La première question, c'est, on a l'impression là d'être un peu sur un consensus finalement. Et donc, les auditeurs sont très curieux de savoir si dans les Gilets jaunes, il y en a qui portent aujourd'hui des revendications également écologiques ou c'est juste un sujet subsidiaire. Et la deuxième question, parce que là, on a beaucoup parlé de la responsabilité de l'État, c'est à la fois pour les militants et et pour les Gilets jaunes, quid de la responsabilité du patronat? Voilà. Alors moi j'aimerais bien répondre déjà à la première question, elle est hyper intéressante parce qu'elle revient à ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que quand je disais que les Gilets jaunes étaient des écologistes mais qu'ils ne le savaient pas encore, en fait c'est parce que leurs revendications sont complètement liées, mais j'ai l'impression qu'ils ne le savent pas parce que c'est vrai qu'on en parle et j'ai l'impression que c'est complètement absent de leur discours, mais eux ce qu'ils revendiquent c'est quoi? Déjà une répartition des richesses, et plus de démocratie. Deux choses qui ont été détruites par un mot que j'ai l'impression qu'il est un peu tabou, c'est le capitalisme. C'est la source principale de tous ces problèmes, vu qu'on sait qu'aujourd'hui le système capitaliste il creuse les inégalités et qui amène à des situations comme aujourd'hui où tu as 1% des plus riches qui possèdent 99%. Enfin, on connaît tous les chiffres. Et c'est pour ça que je pense vraiment que les Gilets jaunes demandent cette répartition des richesses et cette démocratie. C'est complètement lié aux objectifs climatiques, parce que si on regarde qui c'est qui est le frein premier de ces objectifs écologiques, c'est les lobbies, les banques, les multinationales, donc les lobbies, et inversement, et les banques. Et voilà, donc il faut savoir que c'est trois acteurs qui mettent un frein clair à la démocratie, qui aujourd'hui, on sait que les multinationales, donc les lobbies, écrivent mot pour mot les projets de loi et les lois qui régissent tous les pays de l'Union européenne. Est-ce que tu veux rebondir ou toi, Priscilla? Alors oui, pour rebondir, je suis d'accord avec ça. Alors en fait, il y avait une question qui parlait du patronat, je crois aussi. Et effectivement, je pense que par les actions, il y a une certaine dénonciation de ce qui se passe dans la grande consommation. Et lorsqu'il y a des blocages de raffineries ou des choses comme ça, c'est précisément visé les grandes boîtes qui ont ce pouvoir-là de forte influence sur les projets de loi, etc. Et qui donc donnent lieu à des mesures qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui et avec les conséquences qu'on connaît. Et effectivement, les revendications au départ ne portent pas spécifiquement sur l'écologie parce qu'on parlait de cette urgence qui revient toujours sur le tapis, parce qu'effectivement, les personnes sont d'abord sorties parce qu'elles veulent remplir leur frigo. Donc après, si tu peux remplir ton frigo avec des produits plus sains, voilà. C'est le moment, justement, je trouve, ce mouvement. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a, comme tu parlais, de solidarité aussi. Il y a de la solidarité qui se crée. Il y a des initiatives que certains n'osaient pas mettre en avant, n'osaient pas se lancer. En fait, les gens n'osaient pas se lancer dans certaines initiatives qui servent l'écologie, qui servent le social. Et je trouve que, justement, ce mouvement-là, c'est l'occasion de raccrocher les wagons et de mettre en lumière ce lien qui était un peu en sous-marin et que personne n'osait vraiment associer, simplement. Enfin, n'osait plutôt évoquer, je dirais. Ouais, bon, je suis assez d'accord avec ça. Et peut-être pour rebondir du coup sur la question du patronat et des entreprises en général,
Nous, c'est un truc qu'on dénonce beaucoup et c'est notamment pour ça qu'a été créé Action Non Violente COP 21, ANV COP 21, avec l'idée de passer à la résistance et de passer à la désobéissance civile et de dénoncer en fait les responsables, ceux qui nous empêchent de faire passer les alternatives, d'en faire la norme et qui, voilà, qui sont le plafond de verre un peu de tout ça. Et du coup, on vise pas mal. Notamment la Société Générale, où le JTR était présent lors d'une des grosses actions qui a eu lieu le 14 décembre, où on a notamment visé le PDG de Société Générale, en dénonçant un peu son activité et avec également des actions qui visaient le MEDEF, enfin en tout cas pour mettre un peu en lumière ces responsables qu'on ne cite pas et qui se cachent un peu au final derrière les lois qui leur sont favorables, etc. Derrière beaucoup de greenwashing. Moi, je vais rebondir aussi sur la question du patronat. Là, les Gilets jaunes et le mouvement climat, surtout ANV COP 21, en ciblant spécifiquement là où ça fait mal le portefeuille, et les Gilets jaunes en bloquant les zones industrielles et commerciales, ils ont bien tapé les décideurs. Mais après, je voudrais nuancer. Parce qu'on dit beaucoup que les grandes entreprises sont des freins et qu'il faut agir là où est le vrai pouvoir, et le climat, on va le sauver en contraignant les grandes entreprises. Moi, je veux juste rappeler quelque chose. Les énergies fossiles qui font 70% du gaz à effet de serre, 2/3, 70%, les énergies fossiles, c'est 80% de toute l'énergie qu'on utilise dans le monde. L'énergie, c'est ce qui fait qu'on a un verre, une table, des caméras, un streaming. Enfin, c'est toute notre vie, c'est de l'énergie. S'il n'y a plus d'énergie, walou, il n'y a plus de vie. Tu vois. Du coup, 80% de tout ce qui fait notre mode de vie, notre santé, notre éducation, notre Netflix, notre porno, tout ça, c'est du fossile. 80%. Et du coup, prendre au sérieux le problème climatique, c'est remplacer 80% de notre truc énergétique. Ça peut être remplacé par la modération, en consommant moins d'énergie, en ayant un mode de vie plus sobre qui demande moins d'énergie. C'est pour ça que je parle de transition personnelle aussi. Grave, mais ça suffit pas. Parce que tu peux te modérer autant que tu veux, tu vas te chauffer. Tu peux te modérer autant que tu veux, tu vas construire des bâtiments. Tu peux te modérer autant que tu veux, tu vas bouffer. Tu vois, il y a quand même un basique. Et la population augmente. Et on est tous d'accord pour dire que c'est une bénédiction que les Chinois soient sortis de la pauvreté massivement les 20 dernières années. On délocalise la pollution. Mais pourtant, d'un point de vue du climat, c'est la décision la pire du monde, que les Chinois soient sortis de l'extrême pauvreté. C'est un truc qui a accéléré la destruction de notre planète. Parce que pour accélérer leur développement et leur sortie de la pauvreté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont pas cons, les Chinois. Ils ont fait, qu'est-ce qu'on a là en dessous? On a du charbon, c'est gratos. Donc ils ont creusé. On participe à ça, on participe à la destruction de plein de choses. Et du coup, comment on va faire? Tu vois, on dit le problème c'est Total, le problème c'est les grandes boîtes. Je suis évidemment d'accord qu'il y a un gros problème avec leur capacité d'influence et que si on peut leur mettre 2-3 baffes, c'est bien mérité. Je suis bien d'accord. Mais en vrai, le problème du climat, c'est un problème ultra, ultra, ultra sérieux. 80% de l'énergie du monde qu'on doit remplacer. Du coup, faut savoir que ça va prendre du temps, faut savoir que c'est dur à manœuvrer, faut aussi comprendre que, en fait, c'est pas Total. Il y a des voitures en France, du coup il y a des raffineries, du coup il y a des pompes, du coup il y a des forages, du coup il y a Total, tu vois. Et c'est en fait parce qu'on est dans un système où on a mis des routes et des voitures pour que notre vie existe, hein, pas parce qu'on est des salopards. Je suis d'accord avec qu'il y a Total. Non, c'est ça, c'est qu'on a une mauvaise consommation depuis très longtemps parce que voilà, on consomme, c'est un peu le mode de vie qu'on a tous les jours. T'as un pot de Nutella rempli, tu le bouffes et c'est quand il te reste de cuillères que tu le gardes une semaine. Mais voilà, exactement, c'est pour ça que tout est à refaire. Après, pour moi, c'est un grand défi, mais pour tout le monde. Et c'est pour ça que ça commence dès la petite enfance et que ça commence dans les projets de société, des projets de création de biocarburant que je demandais au ministre de la Transition écologique et que j'ai toujours pas reçu. Est-ce que vous financez des projets de biocarburant pour faire un mix énergétique qui puisse réduire ce pourcentage dont tu parles? Après, c'est sûr qu'on sera pas à 0%. Pour moi, c'est utopique. Mais travailler à réduire ce taux, moi, j'ai pas l'impression que c'est ce qui se passe.
Mais est-ce que c'est quelque chose que les Gilets jaunes ont envie de faire, de travailler à réduire ce taux, ou alors, est-ce que c'est très déconnecté de ce qu'ils sont capables de faire? Pour ce sujet-là en particulier, je ne vais pas parler au nom de tous les Gilets jaunes. Moi, je sais que j'ai commencé par là, que je continue et que je suis en contact avec les associations qui sont sur des sujets comme ça. Dont, voilà. Oui. Mais voilà, je ne peux parler que pour moi pour ça, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule. Ça m'étonnerait que je sois la seule. Tu parlais excusez-moi, il y a Vincent. Oui. Bonjour, alors, reprenons le fil de l'activité sur les internets, comme on dit. Il y a eu une abondance de réactions, effectivement, d'écologistes qui disaient bah, « Oui, le problème, c'est le capitalisme, et en l'occurrence, bah, les gilets jaunes, ils sont tombés du ciel. » et que cette prise de conscience du lien entre écologie et capitalisme et lutte pour le pouvoir grimpe à chaque fois qu'on se réunit les samedis. Une invitation à se rejoindre, donc. Et il y a aussi une mise en garde sur les mots qu'on utilise, car se tromper sur les mots, c'est souvent se tromper sur le sens de l'action que l'on doit mettre en place. Et lorsque les médias mettent en avant, c'est ce que fait remonter Jovieva sur Monsieur Mondialisation, et ben le problème c'est que quand on parle de pouvoir d'achat, peut-être qu'on se trompe et qu'en réalité le mot qu'il faudrait mettre ce serait plus un pouvoir de confort. Mais que comme le seul mot qu'on propose à mettre dans leur bouche, c'est le pouvoir d'achat, et ben voilà le mot qu'ils emploient. Et il y a du coup un vrai enjeu dans cette relation avec les médias qui vont énormément influencer le discours des Gilets jaunes et du coup ce qu'on croit devoir expliquer ou devoir faire. Très bien. Merci pour cette question de nos internautes. Donc, la prise de la description plutôt qui a été faite par les médias des revendications des Gilets jaunes, réaliste ou irréaliste, et est-ce que le terme de pouvoir d'achat, il est finalement bien? Alors, je ne vois pas le sens de pouvoir de confort. C'est flou pour moi, pouvoir de confort. Je pense que c'est simplement l'idée de... Alors, justement, il y a un sujet, au sujet du pouvoir d'achat, du coup, il y a une petite chose que j'avais oublié de dire tout à l'heure, c'est que... Il y a aussi ce souci de se dire on est dans les rues parce que simplement on voudrait pouvoir, même avec un salaire qui à l'origine était considéré comme un salaire correct, on n'y arrive plus. Donc est-ce qu'on parle de confort ou est-ce qu'on parle juste de vie, tout simplement, pouvoir vivre normalement avec le salaire qu'on a, qui, lorsqu'on t'annonce un salaire qui est censé être correct et dans la moyenne, t'es censé pouvoir vivre. Là, en l'occurrence, il y a beaucoup de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté et on a une grosse classe qui avant était censée être dans un certain confort relatif, qui ne l'est plus. Et ça augmente ce pourcentage de personnes qui n'y arrivent plus. Et là, on se pose la question, parce que là, le vase commence à déborder. On se dit, mais comment c'est géré au-dessus? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en est là? C'est pas qu'on se souciait pas des personnes qui gagnaient moins, parce qu'on fait tous partie d'une famille, on fait tous partie d'un groupe d'amis, donc je pense qu'on a un peu de tout autour de nous, des gens qui gagnent un peu moins, un peu plus, et on a conscience de ce qui se passe autour de nous, mais quand on est dans son quotidien, ben, voilà, on vit, on est accaparé par le travail, par les soucis et tout, et on se pose pas plus de questions que ça, et aujourd'hui, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent là-haut? C'est ça la vraie question aujourd'hui, je pense. Moi, je voulais juste rebondir sur ce qu'il disait Vincent par rapport au pouvoir d'achat. J'ai l'impression que le mot pouvoir d'achat, il est connoté négativement dans le sens où les politiques essayent de l'utiliser à tort pour définir les revendications des Gilets jaunes, car pouvoir d'achat, aujourd'hui, on pourrait croire que ça voudrait dire plus de consommation, plus consommer. Et c'est pour ça qu'on essaye de leur mettre cette étiquette pour leur dire, mais regardez, ils veulent plus de pouvoir d'achat, ils veulent plus consommer, donc ils sont pas en accord avec les revendications écologiques. Ce qui est complètement faux. Il y a ça, et je trouve que la question du pouvoir d'achat est presque quelque chose... C'est presque du mépris, en fait. Il y a quelque chose de très méprisant de, finalement, le seul pouvoir qui reste, c'est celui d'acheter. Et dans la question de l'urgence, et... Non, c'est pas sur la question de l'urgence, mais plutôt sur aussi sur, finalement, notre génération. On est une génération qui vit moins bien que nos parents, et ça va être de pire en pire, justement parce qu'il y a ces inégalités qui se creusent. Là, le dernier rapport d'Oxfam qui disait que 26 milliardaires possédaient autant que 50% de la population mondiale. Et en France, il y a aussi, je ne me rappelle plus les chiffres exacts, mais qui sont très importants sur
voilà, ces inégalités qui se creusent. Ça ne va qu'à la hausse, hein, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Comme ça. Et entre ça et la question du dérèglement climatique qui va accentuer en fait la précarité et ces inégalités, clairement, je pense qu'il y a aussi cette peur, enfin en tout cas moi je la ressens, cette peur de quoi est fait notre avenir et de quoi va être celui de nos enfants, etc. Ça, c'est une énorme gigafat question. Mais pour les politiques, qu'est-ce qui branle? Et le pouvoir d'achat en général, moi, il faut rappeler des trucs. Hein. Les fonctionnaires, ils sont nombreux dans ce pays. Il y a encore pas mal de fonctions publiques. On n'a pas arrêté de couper leurs effectifs et on n'a pas revalorisé leurs salaires depuis 10 ans. Du coup, quand tu as plein d'actifs de ton pays qui n'ont pas d'augmentation de salaire alors que les prix augmentent, bah, y a une baisse de pouvoir d'achat de déjà 10% de ta population, de tes actifs, à peu près, je le fais à la louche, c'est sûrement plus. Les retraités, maintenant, on désindexe leur retraite de l'inflation. C'est tout scred, hein, c'est ce que vient de faire Macron, personne n'en a vraiment parlé. C'est en scred. Mais t'as raison, l'allocation handicapée et les pensions de retraite ne vont plus suivre mécaniquement la hausse des prix. Du coup, chaque année, boum, 1%, 2%, tiens, dans ta gueule. Mais tu multiplies ça sur plusieurs années. 2% par an pendant 10 ans, ça fait déjà beaucoup. Hein. Et donc, si de plus en plus de grandes classes d'actifs perdent du pouvoir d'achat, fonctionnaires, retraités, les ouvriers qu'on a délocalisés avec la libre concurrence fantastique du marché européen, et si ça se passe pendant 10 ans, 20 ans, ben, mécaniquement, le coiffeur d'à côté, il y a moins de gens qui vont se couper les cheveux. Ils vont prendre une tondeuse ou demander à je sais pas qui de leur pux les cheveux. Pareil pour le resto, ben, tu vas moins au resto, tu te fais ta bouffe toi-même, et ainsi de suite. Et du coup, tout ça, tous ces actifs qui sont touchés par une baisse de pouvoir d'achat, ils finissent par toucher les autres actifs d'à côté, ceux qui ont les commerces d'à côté. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux, c'est ce que le bullshit que nous vendent nos dirigeants là-haut et les économistes, c'est ce qu'ils appellent croissance. La croissance, c'est censé permettre à ce que le niveau de vie augmente chaque année pour qu'on puisse continuer à faire croquer chacun. Et le problème, c'est que c'est fini. On arrête de faire croquer chacun. Il y a des classes que j'ai nommées qui se font niquer d'année en année parce que leur pouvoir d'achat ou leur salaire ou leur pension n'augmente plus comme la croissance ou comme la croissance des prix. Et là où c'est affreux, c'est que le 0,1% de Oxfam... Mais faut voir, hein, là, il y a un rapport qui est sorti sur juste les deux premières années, les deux premiers budgets de Macron. Il vient d'arriver, ce con. Hein, 2018-2019. Ça, pour les 0,01%. C'est-à-dire 1 sur 10 000. Tu prends 10 000 personnes, tu prends le plus riche, tu vois. Donc c'est vraiment... Ils sont super riches, eux. Hein. Le 10 millième, ils ont gagné 16% de pouvoir d'achat en deux putains d'années de Macron. Mais tu rends compte du truc odieux. Tu vois, il essaye de présenter, ouais, les plus 100 euros de prime d'activité. Il essaye d'embrouiller les gens. Mais ça fait à tout casser 1%, 1% et demi pour ceux qui sont concernés. C'est des petits salaires, hein, tu vois. Du coup, 1% et demi de quelqu'un qui gagne 1005 par mois. Là, on parle de 15% du 10 millième les plus riches qui gagnent des millions. Des dizaines de millions. Du coup, justement, cette différence entre une petite minorité qui bénéficie d'énormément d'avantages fiscaux notamment et une grande majorité qui, on le voit avec les Gilets jaunes, on le voit aussi avec les militants écolos, décide de se rassembler et porte aussi des revendications beaucoup plus construites autour de la démocratie directe, voilà. En fait. Et donc, on en vient au fameux RIC qui, au fil des actes, est devenue la revendication principale du mouvement Gilets jaunes, tout simplement parce que les gens ont vu qu'ils étaient tout à fait capables de parler entre eux, de s'organiser et de porter un message commun. Aussi disparate le mouvement puisse sembler de premier abord. Et on a d'ailleurs deux de nos partenaires qui ont réalisé une vidéo sur le RIC qu'on va bientôt diffuser pour expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Si on disait on peut créer un référendum d'initiative citoyenne qui chaque matin peut revenir sur ce que les parlementaires ont voté, là on tue la démocratie parlementaire. Selon le président de la République, le référendum d'initiative citoyenne détruirait la démocratie. Bah ouais, mais c'est bien connu, hein. Donner le pouvoir au peuple, ça va à l'inverse des principes du démos kratos. Mais on a un petit problème, Manu. Aujourd'hui, la majorité des Français veut cet outil.
première revendication, c'est la demande du RIC. Ça s'appelle le RIC. Pour le référendum d'initiative citoyenne. Je voudrais pouvoir parler avec le RIC. Le RIC. Référendum d'initiative citoyenne. Le référendum d'initiative citoyenne. Tous les gilets jaunes que j'ai donc pu rencontrer sur ces manifestations réclament plus de démocratie via le RIC. Partant de réalités différentes, personnelles, mais débouchant sur le même constat, la France n'est pas, voire n'a jamais été, une véritable démocratie. Une nation où le peuple, organisé, uni, joue un rôle crucial dans la vie démocratique du pays. Alors pourquoi certains de nos politiciens, le président Macron en tête, voudraient nous faire croire que le RIC serait antidémocratique ? Selon Macron, il y aurait deux formes de démocratie. Une première qui serait parlementaire, donc représentative et donc bourgeoise. Et une seconde qui serait directe et donc populaire. Toujours selon lui, la démocratie parlementaire aurait l'avantage d'apporter plus de stabilité. On tue la démocratie représentative, qui malgré tout est la seule qui tient les contraintes. Mais la question c'est, est-ce que le RIC apporterait vraiment plus d'instabilité à notre système politique ? Alors, soyons clairs et précis, la réponse est non. C'est exactement le contraire. Le RIC permettrait au peuple d'intervenir et de jouer son rôle dans la vie démocratique et politique du pays, car il en a les capacités et surtout la volonté. Je vis en France, à la frontière avec la Suisse, et je fréquente ses habitants depuis quelques années déjà. Ici, les citoyennes et citoyens jouissent d'une démocratie semi-directe, une sorte de RIC, que l'on appelle ici initiative populaire, qui permet le déclenchement de référendums pour réviser la Constitution ou instaurer ou modifier une loi. Et pour cela, les citoyens doivent récolter un nombre suffisant de signatures dans un temps imparti. Depuis 1848, les Suisses ont voté des centaines de référendums et d'initiatives populaires. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils vont voter tous les 4 matins. Non, ils se rendent aux urnes 4 fois par an, un peu plus pour les communales et cantonales. Certains détracteurs vont même jusqu'à penser que ce système n'est là que pour garantir la paix sociale sans vraiment servir le peuple, qui d'ailleurs souvent ne vote pas, dans un pays qui reste ultra-capitaliste et où les inégalités sont croissantes comme ailleurs, et précisant que cet outil est surtout utilisé par les militants politiques d'opposition, les ONG et les associations, et finalement peu par le simple citoyen. En entendant ça, on pourrait se dire que ça ne sert à rien de se battre pour le RIC, parce que de toute manière, ça ne changera rien. Mais c'est pas du tout ce qu'on a voulu dire dans cette vidéo. Certes, le RIC s'inscrit dans un système représentatif et ne suffit pas à basculer vers une démocratie directe, mais ça reste un outil démocratique très intéressant pour les citoyens. Déjà, un référendum d'initiative citoyenne permettrait de lancer le débat sur des sujets choisis directement par les citoyens. Et même si le référendum est rejeté, les Français au moins auront réfléchi à la question et pourront y revenir plus tard. Le RIC n'abolit pas le système représentatif, mais il donne aux citoyens un moyen de contrôler leurs élus. On apaise le système représentatif et surtout on permet aux citoyens de se politiser et de construire progressivement une démocratie plus directe. On comprend donc mieux maintenant que si le président Macron souhaite nous faire croire que le RIC est dangereux pour la démocratie, c'est en réalité la démocratie qui est dangereuse pour lui et sa caste dorée au pouvoir. Il s'agit en fait là d'une lutte des classes où chacune est légitime dans la défense de ses propres intérêts. Mais la légitimité n'est plus lorsqu'une des parties vient mentir, tricher, exploiter les plus faibles et la planète. Pour les puissances financières et le pouvoir en place, et à l'heure des gilets jaunes, la question est maintenant claire. Plus de démocratie ou plus de violence ? Vous êtes toujours en direct sur les débats du JITER, l'info des vivants qui veulent le rester. On est là pour parler de gilets jaunes et de climat et comment les deux mouvements peuvent-ils avoir des points de convergence ou de divergence. On vient juste de voir une vidéo sur le RIC, le référendum d'initiative citoyenne qui est devenu au fil du temps l'une des principales revendications du mouvement gilets jaunes. Du coup, Priscilla, finalement, comment les gilets jaunes voient-ils la mise en place de ce risque? Et comment le RIC a-t-il pris une place aussi importante dans le mouvement ? Alors, je dirais que dans toute cette remise en question du système, tel qu'il est fait, des conséquences qu'on connaît aujourd'hui, et après avoir justement fait pas mal de discussions, enfin de réunions, avoir réuni pas mal de personnes de divers horizons, et dont justement les personnes qui travaillent sur le climat, comme on vient de dire, du coup, ça a permis de se remettre nous-mêmes en question par rapport à la place du citoyen dans la société, je pense, hein. Et du coup de se dire, mais en tant que citoyen, mis à part élire, voter, qu'est-ce que je fais, à quoi je contribue, est-ce que quand je vote et quand il y a des élections, est-ce que vraiment ça représente ce que je veux que ça représente, est-ce que le travail est fait correctement, sans mauvaise motivation, et est-ce que vraiment je me retrouve dans tout ça, et est-ce qu'au final je vis bien dans le monde où je suis là. Et je pense que tout ce travail de remise en question, tout ce qui fait qu'habituellement on est isolé,
nous a sorti un petit peu de notre coquille par rapport à ce mouvement et nous a forcé à regarder l'autre, à travailler avec les uns avec les autres, à collaborer, à se coordonner sur plein de sujets. Et du coup, moi, je pense que le système est fait de telle sorte à ce qu'on reste dans notre coquille. Et ce mouvement a ouvert cette coquille. Et ce qui fait, voilà, je pense que le RIC qui permet aux citoyens de se prononcer sur des lois, des choses comme ça, de proposer des choses, mmh, est arrivé sur la table comme ça. C'est vrai qu'on a un Suisse, là. Ouais, alors, on a un RIC d'origine, mais bah, c'est vrai que nous, on a notre référendum en Suisse. Mais pour reprendre celui qui est en train de enfin, qui voudrait se mettre en place en France, le RIC, je pense que la force principale et majeure et non négligeable de ce RIC, c'est que à la base, le point faible et à la fois le point fort des Gilets jaunes, c'était qu'il y avait plein de revendications. Franchement, si on les prenait toutes, il y en avait, je sais pas, une quarantaine ou peut-être une trentaine, je sais pas, même plus. Et donc c'était un point faible parce que du coup, ils étaient pas très crédibles, sachant que les revendications étaient variées, mais un point fort parce que tout le monde a pu se retrouver dans les revendications, quel que soit son milieu, ou etc. Donc je pense que c'est vraiment ça qui a rassemblé les gens. Et puis ouais, du coup, et je pense que c'est vraiment cette... le fait que tout le monde se soit rassemblé. Moi, quand j'ai interviewé des gens, quand j'ai discuté avec des gens, etc., on parlait pas du tout, on parlait politique, mais on parlait pas de nos revendications politiques. Et c'est ce qui a fait que le dialogue a pu s'installer et qu'il y avait aucune frontière. Moi, je sais très bien en Suisse où je suis que si je parle avec quelqu'un qui se revendique de droite et qui sait que moi, je suis quelqu'un revendiqué de gauche, ça va être une barrière tout de suite et on va avoir des a priori, on va avoir du mal à discuter. Et c'est dommage. Et je pense vraiment que les Gilets jaunes ont cassé cette frontière, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, les revendications politiques gauche, droite, etc., elles font que diviser. Personne ne va jamais être d'accord. Enfin, elles rassemblent dans un certain point, mais je pense vraiment que... Je pense que vraiment qu'elles ne font que diviser. Et le gouvernement, le futur gouvernement, un gouvernement parfait ou pas forcément un gouvernement, un système, ne sera ni de gauche, ni de droite, ou ni du centre, ou quoi que ce soit. Ce sera juste le peuple, simplement. Alors, on parle de système. Je voudrais revenir un petit peu sur les initiatives démocratiques qui existent en Suisse et qui sont souvent citées en exemple dans les revendications des Gilets jaunes pour le RIC. Donc, en fait, en Suisse, ils ont finalement deux dispositifs principaux. Un qui s'appelle une initiative et qui est très proche de ce que les Gilets jaunes demandent du RIC, donc à savoir... à l'initiative d'une citoyenne qui va demander quelque chose, par exemple limiter l'étalement urbain, comme c'est le cas là pour la prochaine initiative qui doit être votée en Suisse le 10 février. Ils doivent rassembler 100 000 signatures, ce qui est peu par rapport à l'échelle de la population française en comparaison, mais ils sont seulement 8 millions en Suisse. Une fois qu'ils ont les 100 000 signatures, là, ils lancent ce qu'on appelle, nous, en France, un référendum, donc oui ou non, et les gens doivent voter. Et donc, comment les Gilets jaunes, ils imaginent le RIC très concrètement en France? Comment on s'applique? Combien de signatures? Est-ce qu'il y a déjà des choses, des travaux qui ont été effectués là-dessus? Alors, il y a beaucoup de discussions autour du sujet, effectivement, sur notamment les règles pour entourer la mise en place du RIC, et dans quel cadre on pourrait... En fait, ce qui est bien, entre guillemets, c'est que quand tu vois que ça existe déjà dans d'autres pays, tu peux essayer de faire quelque chose qui est un peu plus sur mesure et tu essaies de faire quelque chose qui te colle au mieux au concret et qui fait face à la réalité dans le pays dans lequel tu vis. Donc c'est ça qui est pas mal, on part pas d'une feuille blanche, mais toutes les initiatives sont intéressantes, notamment toutes les petites initiatives qui sont faites en région ou dans les départements donnent un petit peu le ton. C'est-à-dire que ça existe déjà, ça commence, ça se travaille. On a pas des résultats, mais on peut récolter un petit peu on a des retours sur comment ça a été fait, qu'est-ce qui a pêché, qu'est-ce qui était plutôt bien. Et je pense que là, tout ça, et en plus, ça continue à participer à cet esprit de solidarité, d'entraide, de travail collectif, et c'est très bien. Et oui, il y a des travaux qui sont mis en place pour pouvoir enfin arriver, par exemple, à se dire qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme seuil. Alors, 100 000, c'est trop peu à l'échelle du monde, du nombre d'habitants en même temps, ou du nombre d'électeurs, ça dépend ce qu'on veut faire. On va pas non plus aller prendre, je sais pas, 3 millions ou 4 millions, ça fait beaucoup. Enfin, faut voir après, faut essayer de mettre tout ça en place et de manière la plus, comment dire... Horizontale.
horizontal, déjà, c'est le travail, il est déjà fait de manière horizontale, donc ce serait bien que ça reste, c'est un peu tout l'esprit, mais que ce soit un système qui tient la route, quoi, surtout, je pense. Un système fonctionnel. Ouais, c'est ça. Ah. Oui, Vincent. Je me permets d'amener mon point de vue personnel, mais qui est partagé avec le père Usul, le père Usul qu'on connaît bien, lyonnais, et sur Mediapart, abonnez-vous. On a parlé du RIC ensemble, et je pense que ça nourrira notre débat, parce qu'on était assez d'accord sur le fait que si les gilets jaunes augmentent encore en intensité de pression sur ce gouvernement, le gouvernement donnera le RIC. Et lorsque le RIC sera du coup plus en possession des personnes qui l'ont porté, ils le dévoieront, ils le feront passer par une série de processus législatifs et juridiques qui à la fin aboutiront à un outil quasiment inutilisable, en tout cas pas menaçant du tout pour l'exécutif en place. Et c'est important de se dire à ce niveau-là qu'en fait, si on met tout le paquet sur le RIC, il y a un risque qu'on passe à côté de la revendication super importante qui est de la justice sociale maintenant, et ce qui est très très beau dans ce mouvement des gilets jaunes, c'est que il montre la démocratie de façade dans laquelle on vit, et que de se centrer sur une revendication d'un processus qui de toute façon prendra un certain temps, qui peut se compter en années pour aboutir, pour que l'outil existe, c'est perdre la notion que la justice sociale c'est maintenant, et cette démocratie de façade doit s'arrêter aussi maintenant. Deux questions dans la question, mais c'est bien noté. Merci beaucoup, Vincent. On va y répondre tout de suite. Moi, je veux bien prendre la première partie de la réponse. Je comprends pourquoi le père Usul et le spationaute Vincent Verzat, le gang des Lyonnais, pensent que c'est pas une super bonne idée d'insister trop sur le RIC. C'est parce que le RIC va être mis en place par une autorité. Et l'autorité, tant qu'on n'a pas cassé le système actuel, c'est Macron qui a les pleins pouvoirs, puisqu'il a encore la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et donc, il fait à peu près ce qu'il veut. Donc, c'est Macron qui va décider du RIC. Donc, c'est vrai que tant qu'il n'y a pas une autre autorité mise en place, ce sera Macron le chef du RIC, et il y a risque de dévoiement. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on se rappelle que parmi les 50 ou plus revendications des Gilets jaunes, et malgré le RIC ou la hausse du SMIC comme deux grands étendards, il y a une revendication majeure qui est là tout le temps, sans discontinuer jusqu'au bout des ongles, c'est Macron démission. C'est dégage, sale merde, dégage. Tu vois, tu nous éborgnes, dégage. Arrête, tu vois. Ce compromis n'est plus tenable. Et je pense que on gagnerait ensemble à ne pas oublier que ça a l'air d'être le dénominateur commun qui est de plus en plus, et je crois pas que ça perde de l'aile, j'ai l'impression qu'avec la répression et avec leur com en reculade, leur faux grand débat, leur faux plus 100 euros, je pense que l'écart n'arrête pas de se creuser entre les gilets jaunes mobilisés et ce pouvoir-là. Du coup, je suis assez d'accord avec le gang des Lyonnais, n'oublions pas que Macron démission, quoi. Bah, moi, j'aurais envie de dire, j'ai l'impression, avec ce que j'ai entendu sur, pendant les actes, que c'est surtout symbolique. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait plus ou moins que le président, bah, c'est pas tout lui qui décide. Enfin, c'est lui qui a le pouvoir, qui a le plus grand pouvoir, mais il dépend de plein de choses. Par exemple, il disait quelque chose, pour une fois, de juste. Il parlait justement du kérosène des avions, parce qu'on dit souvent ça, on dit, bah, ok, on taxe les voitures, mais on taxe pas le kérosène des avions, et c'est ce qui pollue le plus. Donc selon leurs arguments, ce serait beaucoup plus juste de taxer l'essence des avions et pas celle des voitures, qui pollue beaucoup plus. On le sait aujourd'hui, c'est l'avion, le mode de transport qui pollue le plus. Attendez, je sais pas ce que je veux dire. en gros, je pense que l'inquiétude principale sur la question de Vincent, et est-ce que c'est une inquiétude qui est partie partagé peut-être par les gilets jaunes, si jamais ils obtenaient le RIC, est-ce que ça va pas être détourné, ou en tout cas pas avec l'impact espéré? Et pour rebondir sur ce que disait Ludo, Macron démission, est-ce que c'est toujours une revendication d'actualité? En gros, ce que je voulais juste dire, c'était que il disait qu'en fait, on pouvait juste pas... Je voulais revenir au fait que c'était aussi quelqu'un qui agissait en fonction de plein d'influences diverses, dont justement il disait, bah voilà, nous si on commence à taxer le kérosène des avions en France, on sera plus du tout compétitif, et dans un système, encore une fois, capitaliste, ça fonctionne pas.
Moi, je vais rebondir là-dessus parce que je l'ai souvent sorti, cet argument-là. Ouais. Et pour moi, il tient pas. Okay. Il tient pas pour moi parce que c'est, quand on regarde l'historique, depuis 1944, cet accord, il a été mis en place pour favoriser l'essor du... Comment on appelle ça ? Transport aérien. Du transport aérien, merci. Et bon, de plus en plus, ils ont, enfin, à chaque fois que le gouvernement a essayé de mettre sur la table ce sujet de taxes, les lobbies ont réussi à faire en sorte que ça ne se fasse pas. Donc c'est faisable. Et je pense que quand on est une société qui... une grande société qui plus est, qui peut prévoir dans ses budgets l'arrivée d'une taxe éventuelle, parce qu'ils savent qu'ils sont sur le coup de plusieurs projets qui proposent de mettre cette taxe en place. Quand on le sait en tant que société, on provisionne en conséquence. Et puis si on est l'État et qu'on dit « bon, ça suffit, ça fait 70 ans que vous ne payez pas cette taxe alors que vous polluez autant, voire plus que les automobilistes », pareil pour maritime, vous faites en sorte de budgétiser ou vous faites en sorte que ça rentre dans les dépenses et vous n'augmentez pas les prix parce que les passagers payent suffisamment de taxes et dans ce cas-là il faut en sorte qu'il y ait un contrôle des prix pour pas que ce soit qu'on soit pénalisé. Mais voilà, je trouve que c'est trop facile de dire pollueur payeur quand c'est certains pollueurs qui paient. C'est pas de l'ordre que de la France, du coup c'est qu'il y a, ça je comprends bien, mais et bon c'est après là, c'est mieux de faire qu'en France en vrai, hein. Ouais, on peut. Alors, après là on sait rien, on sait, voilà, non, c'est vrai que c'était pour rebondir sur ça dessus. Mais bon, mais du coup pour rebondir pour le RIC, oui, dans les travaux dont je parlais tout à l'heure qui permettrait de voir le projet idéal de mise en place du RIC, il y a cette notion de mettre en place, de proposer que ce ne soit pas mis en place spécifiquement par l'État, ou pas que par l'État, mais par un organe indépendant, courage, composé de citoyens, qui pourrait contrôler toute cette mise en place et que ce ne soit pas à la solde de monsieur Macron. Alors, Macron démission, on l'entend effectivement partout. Moi, je ne le scandais pas spécialement parce que moi, pour moi, c'était remplacé. J'ai dit une fois que ce soit Macron ou Bob l'éponge. Voilà, pour moi c'est la même chose, mais et que ça servait pas à grand chose qu'il ne soit pas là pour qu'on puisse essayer de faire ce qu'on essaie de faire. Est-ce qu'il est utile à son poste? Non. Voilà, ça c'est ce que je pense. Et d'ailleurs d'autres personnes qui l'entourent, mais c'était pas pour moi la solution. Je suis pas arrivé avec cette pétition dans l'optique de faire destituer un président. C'était pour dénoncer plein de trucs, mais effectivement je trouve qu'il fait pas bien son travail. De toute façon, on l'a vu avec les gouvernements successifs. Je pense que la notion principale, finalement, c'est la question de courage politique. C'est qu'il n'y a pas de courage de vraiment passer à des mesures qui soient positives dans ce contexte d'urgence climatique et de nécessité de lutter contre les inégalités. Et juste, moi, je voulais dire que j'ai été... Enfin, je trouve que ce mouvement des Gilets jaunes, il est assez formidable et il a apporté vraiment quelque chose sur la redéfinition du rôle du citoyen et de la citoyenne, et de donner aussi de redonner une légitimité à la prise de parole, à exprimer aussi son envie d'autre chose, alors que il y avait quand même un... Enfin, il est toujours un peu là, mais une sorte de fatalisme, en fait, dans les grandes ce monde, ou les entreprises, ou le gouvernement, en fait, c'est comme ça. Nous, on gagne pas beaucoup, mais il faut qu'on fasse avec. Et c'est aussi quelque chose que je vois dans le mouvement climat qui grandit de plus en plus. À Alternatiba, on reçoit énormément de personnes qui ont envie de passer à l'action. Et je trouve que ce truc de remettre un peu, de se dire qu'on est un peu aussi peut-être capitaine du bateau, ou qu'on peut apporter sa pierre, ou qu'on peut contribuer à la société dans laquelle on est, c'est peut-être un tournant aussi de l'époque dans laquelle on est. Où on se dit enfin que oui, on peut agir, qu'on peut désobéir, qu'on peut permettre de faire émerger certaines alternatives. Proposer aussi. C'est ça. Du coup, effectivement, tout à l'heure, on parlait de... Dans la question, je ne sais pas si c'est dans la question ou si c'est nous qui avons réagi, mais j'ai entendu dire comment ça pourrait perdurer dans le temps, ce oui. rôle-là. Et justement, chose qui... Ça va très vite, en fait, parce que le gouvernement le sait, mais justement, on nous laisse un peu en retrait de tout ce qui se passe, mais il y a un vivier de compétences énorme. Pourquoi ? Parce que justement, les Gilets jaunes rassemblent, comme tu disais, des gens de tous horizons et donc de toutes compétences.
chose qui n'existe pas dans un, lorsqu'il y en a des grèves localisées sur un type de métier, ben, ce sont la grève des informaticiens, ben, donc je dis pas qu'ils savent pas faire autre chose, mais en tout cas, ce sont des informaticiens, quoi. Là, ça regroupe des informaticiens, des aides-soignantes, enfin, il y a de tous bords. Et là, quand, l'exemple parfait, c'est un peu la défiance aussi, la désobéissance civile, c'est de dire, on nous a mis en place une plateforme qui ne va pas du tout dans le sens de la démocratie, parce qu'on a vu l'article de Mediapart qui dénonçait tout le processus de mise en place du débat qui était en fait pas dans le sens de la transparence et de l'exemplarité. Tout de suite, il y a une plateforme qui s'est mise en place pour que nous, on puisse débattre de manière démocratique, mise en place par des citoyens qui ont été sollicités par le gouvernement mais qui se sont fait enfumer et qui ont dit, ben, on le met à la disposition du citoyen. Rien que la démarche, c'est en gros, vous faites n'importe quoi, maintenant on réagit. C'est plus on attend 10 ans. Si on réagit, on réagit tout de suite. Et ça, ça va durer parce qu'on se rend compte qu'on s'est bien foutu de nous, on le sait très bien depuis un certain temps, mais aujourd'hui, on dit stop. C'est ça la différence avec avant. Et c'est ça qui fait que je pense que Cédric est mis en place. On veillera à ce qu'il soit bien appliqué et on ne sera pas à attendre 10 ans encore endormi à se dire mais est-ce que ça se fait bien, on s'en occupe comme il faut, est-ce que c'est bien mis en place. Là, je pense que ce sera de l'action-réaction, là où avant c'était encore enfumé, c'est pas grave, enfin, on continue à vivre. Et là, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce truc-là qui existe. Et non, maintenant, on réagit, on laisse plus faire comme c'était le cas avant. Et j'ai l'impression que le RIC, il est quand même majoritairement soutenu par les militants écolos également. Est-ce que pour les militants, c'est une opportunité de rétablir plus d'initiatives en faveur de la transition écologique et sociale, et pour les Gilets jaunes, une opportunité d'obtenir cette justice sociale et fiscale qui est réclamée et qui n'est pas donnée, en fait, finalement, par le gouvernement. En fait, ce qui est assez terrible, c'est qu'on les connaît, les solutions. Enfin, les solutions, on en vient d'en parler, et c'est, je pense, la majorité des propositions qui ressortent quand on discute côté climat, côté gilets jaunes, etc. Et du coup, au-delà du RIC, c'est comment on fait appliquer ce type de mesures, comment on les fait passer, comment au niveau local on change notre façon de vivre sur les territoires, on a un gouvernement qui prend la mesure de l'urgence, qui aussi contraint certaines entreprises, etc. etc. Ouais. Moi, je pense vraiment que, pour revenir un peu à ce qu'on parlait avant par rapport au RIC, la vraie plus-value de ce RIC, c'est qu'en fait, je pense que ça va vraiment, ce qui se passe déjà aujourd'hui grâce au mouvement, c'est la politisation de masse. Et c'est vraiment ça, je pense que avant, par exemple, qu'un RIC soit mis en place, ce mouvement des Gilets jaunes, ce qu'il a vraiment apporté, et je pense que ça, c'est vraiment important de le souligner, c'est cette politisation de masse et que les gens se rendent compte qu'en fait, la politique, ça a apporté tout le monde. Mmh. Et qu'on doit s'y intéresser. On ne peut pas nier ce qui régit notre quotidien. On doit s'y intéresser, c'est un devoir civil, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment cet aspect-là qu'il faut mettre en avant, parce que c'est là, comme tu disais avant, tout le monde s'est rendu compte qu'on se fait niquer, putain, enfin, vraiment, genre. Et tout le monde s'en est rendu compte, et même si, imaginons que le mouvement redescende ou quoi que ce soit, la prise de conscience, elle va rester dans la tête des gens, et c'est ça qui, durablement, va vraiment apporter des solutions, parce que. Et c'est pour ça que j'aimerais bien aller faire des reportages un peu ailleurs qu'à Paris, dans des grandes manifestations où il y a des rapports de force physique hyper importants. Parce que c'est pas ce rapport physique qui va mener à des solutions, c'est vraiment de discuter, en fait. C'est pour ça que les ronds-points, etc., ils jouent vraiment un rôle mais ultra important, et je pense qu'il est pas assez mis en avant. Alors justement, en parlant des revendications des gens, il y a nos équipes qui sont allées recueillir le ZAP des vivants dans plusieurs manifestations là ce week-end. Donc on va regarder tout de suite pour voir un petit peu quelles sont les réactions des gens sur les événements du week-end. Hop. Hop. Salut le JTR. Alors moi, ça fait maintenant 5 mois que je vis à Singapour et les méthodes de consommation ici sont assez catastrophiques au niveau du plastique. Alors par exemple, pour mon repas du soir, voilà dans quoi mon repas du soir était contenu. Donc une boîte en plastique qu'il nous donne avec une cuillère en plastique qui est à l'intérieur, avec un sac en plastique, plus la boisson contenue dans un gobelet en plastique, avec un sac en plastique, plus la paille en plastique, et même les baguettes sont contenues dans un sachet en plastique. Alors je me demandais, comment pouvons-nous avoir un moyen de pression à l'international, sachant que même si je refuse tous les jours, bon, pas ce soir pour vous montrer, mais les sacs en plastique, etc., je les refuse, mais c'est clairement pas suffisant. Donc voilà, je me demandais comment on pouvait avoir de l'impact hors de la France, sachant qu'ici, ils sont des millions à consommer comme ça. Un grand merci pour ce que vous faites, et je vous souhaite tout le meilleur.
Salut. Alors moi je suis venu principalement parce que je dirais qu'on a l'impression que les politiques ne bougent pas pour le climat. Et que voilà, on a des enfants, on aimerait leur laisser une planète en bon état et on se rend compte que la planète se dégrade d'année en année, de jour en jour, d'heure en heure. Et que par contre les politiciens, on diminue un peu les voitures de société, on le récupère à droite, on change, on bouge, on fait deux pas à droite, un pas à gauche, mais on n'a rien de concret, rien de durable, rien sur du long terme. Et que voilà, je dirais le problème il viendra pas pour nous, pour notre génération, mais pour la génération future. Et donc si on veut pas que eux doivent gérer nos problèmes, eh bien, il faudra qu'on les gère nous-mêmes. Il faut changer le système pour travailler tous ensemble à un avenir meilleur, aussi économique que écologique. Et social, naturellement. Soyons durables dans tous les, secteurs. Concrets, qui soient positifs pour tout le monde. Et tous ensemble, on doit tous liés, tous unis, pour avoir un monde serein, en sécurité, voilà. C'est aussi ça, bon ça. Comprends qu'on est loin. Il y a plein de choses pour vivre, mais il y a plein de choses superflues que je crois qu'il est grand temps qu'on fasse ça à la trappe, qu'on arrête ce machin-là et qu'on mette notre énergie dans autre chose qui est un peu plus vivant. Si tout le monde mange local, ça serait beaucoup mieux. Si on mange moins de la viande, c'est mieux. Si on achète moins, c'est mieux. Et si on achète moins, on a besoin de moins d'argent. Et c'est tout combiné, au fond. J'ai l'impression que, en tout cas moi je suis ici, pas pour que des gens qui ont du pouvoir changent le monde à ma place. Je suis là pour demander qu'ils arrêtent de te foutre des bâtons dans les roues. Parce que je sais faire du pain, je pourrais le vendre, mais on m'interdit de le faire. Par toutes sortes de complications débiles. Et que, c'est ça que je revendique, c'est juste d'arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues. Et à ce niveau-là, je me sens peut-être un petit peu dans le même cas des gilets jaunes où j'ai l'impression que ce qu'on demande, c'est que les politiques changent le monde à notre place. Salut à toi, Vivant. Je suis sûr que t'es chaud pour agir pour l'environnement, comme réduire tes déchets ou manger bio. Mais malgré tous tes efforts, t'es limité par le manque d'argent. Et oui, l'argent est concentré dans une minorité de la population qui prend pas toujours les bonnes décisions pour l'environnement. J'ai découvert que l'une des principales raisons des inégalités de richesse, c'était la façon dont fonctionnait notre monnaie. L'euro aujourd'hui nous pousse à la compétition et à toujours plus de croissance. Il existe des monnaies locales qui sont très bien mais qui ne changent pas fondamentalement le problème. Une initiative citoyenne a repensé tout le système de la monnaie et créé la monnaie libre qui permet de mieux répartir l'argent en distribuant à ses membres l'équivalent d'un revenu de base. Ça permet de renverser le rapport de force et de nous redonner du pouvoir d'acheter local ou de faire des dons à des assos qui agissent pour l'environnement. Ce pouvoir, il ne tient qu'à toi de venir le chercher, j'en parle sur ma chaîne YouTube. Au plaisir de t'y voir, toi qui souhaites rester en vie. Et merci de nous retrouver pour la dernière partie du débat du JTR, l'info des vivants qui veulent le rester. On a toujours Ilias, alias Tubidelis, merci Ilias de m'aider, qui continue ses dessins et on a hâte de voir le résultat à la fin. La petite vidéo que vous venez de voir, donc, c'était des réactions qui ont été filmées par nos équipes durant le week-end sur différentes manifestations. Vous pouvez vous aussi envoyer le Zap des Vivants pour notre prochain JTR qui aura lieu en février sur une question assez importante à nos yeux, la place des médias dans la transition. Voilà, si vous voulez nous tacler ou nous soutenir au contraire, c'est le moment. Donc, on arrive sur la question. On en a un petit peu parlé juste avant. Enfin, on aime beaucoup la réponse du gouvernement face au mouvement à la fois gilets jaunes et face au mouvement écolo. Avant d'en parler, je voudrais revenir sur les modes d'action et des différents mouvements pour expliquer comment vous faites. Donc, peut-être si tu veux commencer sur le mouvement écolo, quels sont vos modes d'action? Alors, en fait, le mouvement écolo est très large et nous, on parle plutôt de mouvement climat. Et je vais plutôt parler d'Alternativa et NVCOP21 qui sont le mouvement que je connais et auquel je milite depuis quelques temps. Nous, on a
On dit qu'on a un mouvement qui marche sur ses deux jambes. Donc c'est celui de la diffusion des alternatives, comment on en parlait tout à l'heure, comment on fait en sorte que sur nos territoires, on ait la possibilité de manger mieux, d'avoir un système de transport qui fonctionne, de mobilité douce qui soit accessible à tous et à toutes. Cette autre voie qui est celui de la désobéissance civile et de s'opposer à des projets climaticides qui nous empêchent de faire passer les alternatives à un autre niveau. De désobéissance civile, c'est quel type d'action que vous mettez en place ? Ça peut être des actions à la fois plutôt symboliques, de blocage, on utilise aussi, tout à l'heure je parlais de Société Générale, on a beaucoup travaillé sur Société Générale avec plus de 250 actions qui ont eu lieu entre septembre et décembre dans toute la France. Cette grosse action devant l'agence centrale le 14 décembre on a beaucoup joué sur le registre de l'humour en allant nettoyer cette banque très sale, donc avec des personnes qui étaient en tenue de nettoyage, des Bob l'éponge, c'est pas tout à fait la réponse du gouvernement, mais par contre la réponse de Société Générale a été qu'on était très violent envers les employés, qu'ils étaient vraiment choqués dans une situation difficile, etc. Donc on est allé aussi à leur rencontre pour leur expliquer pourquoi on menait ce type d'action. Et la réaction des employés a toujours été plutôt positive, avec certains, avec des encouragements, mais aussi avec beaucoup de retours de « Ah bon, on n'avait aucune idée que notre employeur menait ce type de projet », parce qu'on dénonce notamment des projets autour du gaz de schiste, un projet notamment au Texas qui viole les populations des droits autochtones, qui pollue leur environnement et qui est vraiment terrible en termes d'impact climatique. Le 14 décembre, bon, vous y étiez, on a bloqué le boulevard Haussmann pendant plus d'une heure et demie. Vous expliquez comment vous avez fait ça, ça m'intéresse. On a des modes d'organisation qui sont pour le coup très organisés, avec vraiment, on a une méthode un peu carrée, avec beaucoup de ponctualité, on fait beaucoup de réunions avec des heures du jour très carrées, où justement, sur des actions, chacun a un rôle, et ça permet beaucoup de choses, ça permet d'avancer vite, ça permet à chaque personne de pouvoir rentrer dans ces actions désobéissance civile, puisque on a besoin de personnes qui sont à l'arrière pour préparer à manger pour les gens, pour préparer toute la logistique, faire la communication, etc. Et des activistes qui sont en première ligne, qui le 14 décembre ont été assez bousculés par des CRS qui étaient présents, qui nous ont gazés, qui ont matraqué certains militants, qui pourtant étaient assis, qui levaient les mains en l'air, ce type de position. Moi, je trouve ça super que tu parles de désobéissance civile, parce qu'en fait, le mouvement des Gilets jaunes, c'est quasiment que ça, parce qu'il y a beaucoup de manifestations qui sont pas déclarées. Et d'ailleurs, même si celles qui sont déclarées, au final, il n'y a pas vraiment de différence, parce que dans tous les cas, on se fait matraquer, gazer, lancer dessus des flashballs, etc. Et c'est ça qui est fou, en fait, c'est que le peuple, il a enfin appris, enfin, en tout cas, tous ces gens qui sont descendus dans la rue, pour la plupart, la première fois, ils ont appris à agir en fonction de ce que eux ils trouvaient juste et ce qu'ils trouvaient légitime, et non pas pour ceux qu'on leur a dit qui était juste. Et ça, je pense que c'est vraiment une prise de conscience, mais juste folle. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que il y a beaucoup de personnes qui veulent agir ou qui viennent pour la première fois et qui ont un peu peur. Moi, je me rappelle la première fois que je suis venue, je disais non, je peux pas faire ce que font les autres, je peux pas être devant, je peux pas me faire gazer. Sachant que toutes les actions ne finissent pas comme ça, et en fait petit à petit il y a effectivement cette question de la légitimité qui arrive, de se dire nos lois, certaines de nos lois ne sont pas justes, elles vont à l'encontre de notre survie
en tant qu'individu, en tant que collectivité. Et du coup, notre devoir, notre responsabilité en tant que citoyen et citoyenne, finalement, c'est ça, c'est de désobéir et de permettre de faire avancer la société pour aller beaucoup plus loin. C'est une désobéissance responsable, en fait. C'est ça, exactement. Et il y a quelque chose que moi, j'ai trouvé très fort aussi, c'est, et on en parlait, c'est un peu la question de la confiance, de la solidarité, du côté collectif qu'on retrouve dans ces mouvements et dans cet acte de désobéissance, parce que c'est dur des fois de désobéir. Enfin, ça demande... Déjà pour moi le terme, même si on sait ce que ça veut dire dans son ensemble, et que c'est pas une histoire de juste être hors la loi comme on a pu souvent nous associer à ça dans le mouvement des Gilets jaunes, mais justement du coup le mot désobéissance pour moi il devrait même pas... Ça devrait pas être ça le mot en fait. Parce que ça sous-entendrait qu'on est juste là pour obéir à des lois, et dans les faits c'est ça, mais ça devrait pas. On devrait être dans un cadre où il y a des règles, effectivement, qui sont là pour le bien de tous. Mais dès lors qu'on se constate que, comme tu dis, il y a des choses qui vont pas dans le sens du citoyen, de la démocratie, etc., qu'il y a un terme qui puisse dire, comme tu dis, qu'en gros, on prend conscience, on sait qu'il y a quelque chose qui va pas, on est responsable aussi de notre survie et de notre quotidien et de tout ce qui se passe autour. Et il devrait y avoir un terme qui qualifie ce truc-là sans que ce soit associé à de la désobéissance. Le truc by the books, si on regarde la théorie politique qui a fait nos démocraties libérales, c'est les droits de l'opposition. Hein. Et le droit de manifester, et le droit de se syndiquer, ou d'être membre d'association, ou de s'associer. Le droit d'association, en termes très général, là, on est en train de faire une association. Dans le temps, c'était interdit. Hein, tu vois, on pouvait y avoir une descente de keuf parce qu'on était à fomenter un complot. Du coup, ça, si on regarde by the books, ce serait les droits de l'opposition. Mais là, force est de constater que depuis à peu près 10 ans, un peu plus, 10-15 ans, les mouvements sont de plus en plus réprimés. Et là, on arrive à des échelles où c'est dingue. Je veux dire, non seulement il y a des éborgnés et des mutilés, mais il y a des morts. Il y a eu Rémi Fraisse, un activiste climat, qui s'est pris une GH4 dans le dos, terminé. Et je rappelle qu'on demande du pouvoir d'achat, de la représentativité différente, et qu'on n'est pas dans un... Enfin, lui, il voulait sauver une mort. C'est fou quand même. Et l'autre morte à Marseille, la Zineb, c'est une vieille qui ferme ses volets, top, terminé. Et on a des morts. On a des éborgnés, on a des mutilés, mais on a pire. On a de la criminalisation en amont. Il y a des gens qui n'avaient rien fait, qui ont juste garé leur voiture près des Champs-Élysées. Boum, ils ont pris du sursis parce qu'ils avaient un bout de bois dans leur truc, comme Éric Drouet ou d'autres. Il y a des gens qui se sont pris du sursis ou du ferme pour avoir filmé des actions. On arrive à un moment où la doctrine de répression du pouvoir nie complètement les basiques des droits de l'opposition. Et ça, c'est très, 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 très grave. Et ça se voit dans le mouvement des Gilets jaunes, parce que c'est le point culminant. Il n'y a jamais eu autant de répression que dans le mouvement des Gilets jaunes. Mais ça s'est vu avant, avec le mouvement climat, avec la loi travail. Le mouvement climat, il se fait interdire de manifester. Moi, de mon vécu, la COP21, c'est la première fois qu'une manif, on te dit, en fait, non, dégage, tu pues, ça fait tâche, s'il te plaît, ferme-la. Le 8 décembre, on a à Nancy deux militants, dont le président des Amis de la Terre, qui ont passé 21 heures en garde à vue pour avoir organisé une marche pour le climat pacifiste, mais surtout une marche pour le climat qui faisait convergence avec les Gilets jaunes. Mais tu vois le truc, tu vois, ça c'est un niveau de enfin, notre équilibre politique, républicain, constitutionnel, vous mettez le mot pompeux qu'il y a au sommet des bâtiments que vous choisissez, je m'en fous, mais notre compromis, il est en train de se déporter vers le pire. Et je crois qu'on peut pas dire que ce soit les gens qui luttent pour leur pouvoir d'achat, pour leur retraite, pour le climat, ou pour n'importe quoi, qui sont responsables de cette escalade. C'est pas eux qui donnent les instructions aux procureurs. Mais il y a une certaine crainte, en fait. C'est un peu comme quand tu agis avec impulsivité parce que t'as eu peur et que tu fais un truc con. C'est-à-dire que quand tu te ça pue la peur, en fait. La peur que le citoyen reprenne sa souveraineté, la peur que le citoyen... Parce qu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui se sont aussi déclarés depuis un certain temps. Et du coup, c'est l'idée de se dire, ils nous font flipper. Il faut surtout pas qu'ils soient rejoints par d'autres qui se conscientisent aussi. Et donc, on va leur faire peur, tout simplement. C'est ça qui est super avec cette démonstration de répression, en fait, c'est que, enfin, super, entre guillemets, hein, parce qu'en fait, elle prouve à quel point le système, quand il est critiqué et de manière juste, bah, il est faible, en fait. Parce que la critique est juste, elle est légitime, et voilà comment ils répondent, par la violence. On sait très bien que dans la vie, quand quelqu'un répond par la violence, c'est qu'il n'a plus d'arguments. En effet.
C'est vrai. Oui. Ben, nos auditeurs se demandent justement comment est-ce qu'on réussit à faire percer cette critique, à faire bouger ce gouvernement. Et un des points qui est soulevé, c'est est-ce que ce ne serait pas la grève du 5 février qui serait un beau moment où les écolos se reconnaîtraient dans le fait d'arrêter une journée ou en la continuant la machine à détruire, et les gilets jaunes pourraient du coup augmenter encore le rapport de force avec le gouvernement en faisant ce que le gouvernement craint aussi énormément, qui est la grève. Et il y a effectivement beaucoup de questions qui sont de l'ordre de « mais attends, du coup, s'il y a ce système de répression-là, s'il y a une maîtrise des médias sur quels sont les mots employés, sur quelles sont l'impression qu'on tire de ces informations, de ce qui se passe, ben, comment est-ce qu'on va réussir à dépasser tout ça, en fait ? Comment est-ce qu'on va réussir à gagner des victoires ?» Il y avait des questions qui datent depuis le début du JTR sur les différentes actions. Le dernier JTR, il était à la Société Générale. Et il y a des questions de savoir qu'est-ce qui se passe maintenant par rapport à la Société Générale. Est-ce qu'il y a eu une réponse ? Est-ce que ça l'a fait bouger ? Il y a eu 2 millions de signataires, effectivement, à l'affaire du siècle. Et comme je disais dans ma capsule, bah, l'État, il s'en bat les schnecks. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et pareil, effectivement, les gilets jaunes ont eu des revendications et on a vu le gouvernement bouger, mais est-ce que ça bougera assez vite ? Et donc, comment est-ce qu'on avance maintenant ? C'est tout l'enjeu, je pense, des deux mouvements. Merci beaucoup, Vincent, et merci aux internautes de réagir et de poser toutes ces questions. Donc, on va peut-être rapidement commencer par la Société Générale, très rapidement, s'il y a eu du neuf depuis, parce que tu en parlais juste avant. Alors, la Société Générale a été quand même... on les a bien embêtés pendant tous ces mois, et notamment le 14 décembre. Ils ont réfléchi à changer de politique, changer leur politique vis-à-vis du gaz de schiste. Mais pour l'instant, il n'y a pas de mesure satisfaisante. Il n'y a pas de réponse satisfaisante. Et on n'a pas prévu de les laisser en paix pour le moment. Très bien. D'autres actions vont venir. Alors, l'affaire du siècle, 2 millions, presque 2 millions 3, je crois, de signatures même. Quelles vont être les retombées ? Est-ce que toi, tu es un petit peu dedans, un petit peu moins ? L'affaire du siècle, finalement, c'est un... Enfin, mon sens, hein, c'est un formidable moment où on a pu tous se compter, voir qu'on était aussi nombreux, mais finalement c'est un peu le point d'orgue des mobilisations dans la rue ces derniers mois. Par contre, effectivement, il y a besoin d'instaurer un rapport de force un peu plus fort avec l'État pour qu'ils passent à l'action, en fait, et qu'ils entendent, que l'État entende nos revendications climatiques et sociales. Très bien. Et justement, pour que l'État entende les revendications climatiques des militants climat et les revendications sociales, la grève du 5 février, est-ce que c'est une grève qui va être soutenue par tous les Gilets jaunes et par certains militants climat ou pas ? Alors, il y a beaucoup de groupes de manifestants partout en France qui vont effectivement inviter les Gilets jaunes qui ne sortent pas ou qui n'agissent pas en semaine, parce que voilà, c'est compliqué à jongler entre le mouvement et la vie privée. Et donc, comme de toute façon le sujet en l'occurrence du pouvoir d'achat ou de la participation citoyenne concerne tout le monde, effectivement les personnes qui sont salariées, qui souhaitent faire grève pour revendiquer des choses au niveau de leur pouvoir d'achat, de toute façon ont un point commun avec ce qui est revendiqué à titre général en tant que citoyen. Et oui, effectivement, les Gilets jaunes invitent beaucoup de personnes à descendre dans les rues ou à ne pas aller travailler pour soutenir le mouvement et soutenir les revendications qui sont portées par le mouvement. Donc, et sont donc invités en tant que citoyens à venir le week-end, par exemple, ou alors sur des actions lorsqu'elles sont disponibles, ces personnes. Donc, effectivement, ce sera un beau moyen de démontrer toute la solidarité qu'il y a autour du mouvement que de ne pas aller bosser ces jours-là. Ouais. Effectivement. Et les militants climat au 5 février ? Ouais, côté Alternativa, on soutient cette grève. Top. Moi, j'aimerais dire un truc. Bien sûr. C'est vachement bien qu'il y ait enfin une grève générale. Et c'est surtout important qu'on dise enfin. Parce que je me suis permis de mettre une petite bafouille au début du débat à Europe Écologie Les Verts, qui est le seul parti à pas avoir même mimé son soutien aux Gilets jaunes au départ, et pendant très longtemps. Mais les syndicats, ils doivent quand même se prendre quelques baffes. Hein. Je veux dire, c'est pas possible si t'es la CGT.
ou citer, je ne parle pas de la CFDT, des syndicats qui ont l'habitude de se compromettre avec le gouvernement, mais si tu es un syndicat qui se prétend radical, ou en tout cas un peu sérieux dans le rapport de force, quand tu as la moitié de la France, des gens qui t'as jamais vu en manif, des gens qui ont jamais eu la carte chez toi, des gens retraités, des gens en dehors de toute forme de politisation habituelle, qui se mettent sur les ronds-points, qui bloquent l'économie, qui sont aussi puissants sur des thématiques de pouvoir d'achat ou la hausse du SMIC, c'est quasiment le troisième truc qui vient, c'est pas possible que la CGT mette autant de temps à bouger. Il faut quand même. Attends, mais je veux bien, moi je veux juste dire, c'est, il faut mesurer à quel point nos institutions et nos corps intermédiaires, que ce soit partis politiques, associations, syndicats, sont vieilles, obsolètes, hors sujet. Et je crois que c'est, je me réjouis, vous pouvez pas savoir, je leur baise les pieds, il n'y a pas de problème, c'est magnifique qu'il y ait enfin une grève générale. Mais il aurait dû y avoir un mouvement de grève longue mis en place très tôt en appui dans des secteurs stratégiques. Tu vois, les routiers, ils ont menacé, ils ont juste dit qu'ils allaient faire grève à un des actes les plus importants à Paris. Ils l'ont dit, je te jure, ils l'avaient annoncé pour le samedi, la grève, ils l'ont annoncé le jeudi, le vendredi, ils étaient reçus, tac tac, le gouvernement avait cédé. Non, on a aussi le pays qu'on mérite parce qu'on a des collabos à plein de positions clés qui n'ont pas réussi à percevoir que les gens qui se mettaient en mouvement avec les gilets jaunes, les gens qui se transformaient en sujets politiques et qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir dans leurs réunions, bah ça leur a fait peur. Et du coup, les syndicats, ils méritent plus que deux baffes. Et je suis ravi qu'il y ait enfin une grève. Bye. C'est un, on va dire, un travail de longue haleine parce que qu'il y ait cette grève générale et que nous, on invite les gens à se rendre solidaires de ça, c'est bien. Sauf que ça n'aurait pas pu être fait au départ parce qu'au départ, on avait des attaques de récupération. Ouais. C'était très compliqué. C'était des tentatives de récupérer un peu le mouvement et de se mettre en avant en tant que syndicat. Donc, alors après, quand on travaille quand on est un corps de métier et qu'on veut défendre de